C'est quelqu'un qui n'a jamais géré l'administration, même il n'a pas été chef de quartier. Expérience, le manque, il ne connaît rien dans tout ça. Il a connu que politique monter, descendre, rouler entre les matières. Donc, voilà. Maintenant, lui, on le donne maintenant à un grand pays comme ça. Bien sûr, il n'est pas grand, peut-être super un peu. Mais la Guinée a tout. La Guinée a tous les moyens, il y a tout. Donc pour le descend comme ça, je ferai sur le plein. Aujourd'hui, on peut dire que un an de son pouvoir, 2011, c'était 2012, on pourrait penser que tout ça, l'empereur le sait parce qu'il n'a jamais géré, il ne connaît pas et tout le monde. Mais si écoutez les gens, n'est-ce pas? Et écoutez les cadres qui sont là à côté, les cadres de la République, hein, qui sont payés. Si écoutez tous ces gens-là, normalement, et ça ne devait pas aujourd'hui, en 10 ans, quel que soit le niveau d'élève, il pourrait apprendre quand même depuis 11 ans. Donc, aujourd'hui, manque d'expérience, mais malgré tout ça, aujourd'hui, il a ramené encore toutes les choses à son niveau. Tout. Bon. Alors, aujourd'hui, il n'y a personne qui veut dire la vérité. Tout le monde a peur de lui. Il menace, il a menacé, il a traumatisé, même, je ne sais pas, la tête de tous les fonctionnaires aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme si David Shaw hier, à 20h, tout le monde s'assoit, n'est-ce pas, à la télé, Adalys va parler. Donc, c'était quotidien, fiétaire. C'est pour lui aujourd'hui, il a ramené tout à son niveau. Il va visiter le bureau des gens. Des fois, il va même ouvrir, lui-même, il ouvre une toilette, vous savez comment les choses sont entreprises ici. D'un bureau, il trouve que c'est une toilette, il ferme, il prend, heureusement qu'il avait des masques. Donc, c'est pas ça le travail du président. Le président doit décentraliser. Autant de comptes ici. Il y avait un ministère de décentralisation. Non? C'est-à-dire le pouvoir était complètement décentralisé un peu partout. Maintenant, il y a le moyen maintenant de contrôler. Le chef contrôle, il ordonne et il contrôle. Donc, mais aujourd'hui, les fonctionnaires sont trop traumatisés et chacun a peur. À chaque fois, il dit, je vais t'enlever, je vais faire ça aujourd'hui, je vais faire ça, je vais t'enlever. Les ministres ne s'entendent pas entre eux, les ministres qui ne respectent pas leur premier ministre, mais tout ça, là, ça dépend de lui. Parce que clairement, il ne dit pas aux gens, voilà, on est premier ministre et tout. J'ai vu le président compter que l'homme exemplaire, n'est-ce pas, j'étais à côté, une fois, il a fait jurer, n'est-ce pas, tous les ministres, on a vu ça ici, des Bibles ou bien le Coran. Le Coran, vous avez vu ça, non? Oui. Pas, si les jeunes, il y a des jeunes parmi vous, mais il y a beaucoup qui ont vu ça. Il dit, écoute, pour, je suis fatigué, ce que je veux faire, je vous fais venir, chacun va gérer pour lui, qui va travailler pour le peuple, pour la Guinée, et qui ne va pas trahir, qui ne va pas voler, qui ne va pas sauter. Celui qui vole, maintenant que Bible t'attrape, ou bien le Coran t'attrape. Les gens ont juré un à un devant la télé. Après, il est parti, il dit, je vais à mon champ. Maintenant, celui qui fait, maintenant, tant pis pour toi. Tu fais le mal, déjà tout le monde te voit, et puis le Coran est là, et Bible te va te frapper. L'homme sait. Même s'il était 30 ans, il avait 30 ans, il ne peut pas, surtout. Aujourd'hui, il entend les. N'est-ce pas? C'est son bonus qu'il entend étudier. Hein? C'est un Africain qui a vu de 80 ans, c'est le bonus après. Donc, maintenant, il amène. Hein, quand tu vois au niveau de l'Assemblée, il crée. Il y a un département, ministre est là avec tout ça bleu.
Maintenant, il nous envoie le pouvoir pour créer. Il y a combien aujourd'hui, je ne sais pas si un député peut le dire, combien d'agences qu'on a créées au sein de chaque département aujourd'hui. Agence là est créée par la loi pour gérer le département. Il y a la CACOFAMI là qu'on a dit à CACOFAMI. Parce que l'agence est créée par la loi. Et le ministre est nommé par décret. Et la loi est plus forte que décret. On est d'accord? Hein? La loi est plus forte que décret, non? Bon. Maintenant, le directeur qui est sur la loi là, avec le directeur avec le ministre, vous avez vu la santé, ça ne peut pas être plus fort que la main. Hein? Elle ne fait pas tout ça comme ça, parce qu'elle a mis en danse. Hein? Regarde l'histoire peut-être qui est le meilleur problème avec son premier ministre. Hein? Le truc quoi là, Mamoui. Mais dans ces jours ici, c'est ça qui va être. Et là, entre eux, ça brûle, ça.